On se retrouve du coup pour le combat final contre Vitalis. On va du coup le Lâchez-la, défoncer. Vitalis! C'est votre dernière Car la chance! vengeance est un plat qui se mange froid. On va le défoncer. Mais non! Au revoir! Je vais bien, t'inquiète pas! Mais oui, Béatrice, c'est un élève doué. Dommage qu'il ait oublié qui lui a enseigné tout ce qu'il sait. Ferme-la, le vieux! On est venu buter, pas écouter tes discours! Et pourtant, regardez-vous. Marchant vers moi comme des brebis égarées vers leur berger. Ça suffit, Vitalis! Vous êtes seul! Rendez-nous notre mère, ou bien... Ou bien quoi, jeune fille? J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs, ainsi qu'à ses amis. Vous êtes si touchant. Merci. Merci pour votre candeur. Les entendez-vous? Les anges! Les anges du nouveau monde! Reculez! Les rats blancs contre les rats noirs! C'est une partie d'échec, le bordel! Lucas, Mélie, restez là! Non! Je peux t'aider! Je peux! C'est notre sang, Mélie! D'accord? Achève-le! Rassemblez-vous et avancez! Qu'est-ce que... Il les regroupe! Ils ne s'arrêtent pas! La lumière ne les arrête pas! Moi aussi, je peux faire ça! Vraiment? On doit essayer! C'est notre seule chance! Vous êtes là pour me défier! Moi! Vitalis Bénévent, porteur de la plus incroyable! Oui! Bravo, Hugo! On va lui montrer! Non, 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 non! Merde, j'avance trop! Je crois avancer! Regroupez-vous donc et déferlez sur eux! Qu'est-ce que. Ils les regroupent! Vous êtes venu me dire! Moi aussi, je peux faire ça! Vraiment? On doit essayer! C'est notre seule chance! Couronné par le sang! Le sang de mon frère! Vous êtes incroyable! Oui! Bravo, Hugo! On va lui montrer! Regardez-vous, Vitalis! Regardez. Vous avez abandonné vos fidèles! Regardez. Vous avez massacré des innocents! Le vieux monde doit mourir pour que naisse le voilà pour. Non! Mais non, faut arrêter! J'ai envoyé les rats là! J'en ai marre! J'en ai marre de ces rats à la noix là. Mêlez-vous. Et je ne peux plus. Qu'est-ce que. Ils les regroupent. Ils ne s'arrêtent pas. La lumière ne s'arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment. Êtes-vous On doit essayer. C'est notre seule chance. Moi, Vitalis Bénévent, porteur de la primaire, couronné par le sang. Incroyable. Oui. Bravo, Hugo. On va lui montrer. Regardez, Béatrice. Regardez s'éteindre ce qui reste. Regardez-vous, Vitalis. Vous avez laissez-les. Ce sont des enfants. Oh, ce sont les reliques de l'ancien. Ah ouais, mais putain. J'étais en train de récupérer les trucs. D'un coup, je suis serré. J'étais pas bien. Unissez-vous pour les dévorer. Ils les regroupent! Ils ne s'arrêtent pas! La lumière ne les arrête pas! Moi aussi, je peux faire ça! Vraiment? On doit essayer! C'est notre seule chance! Vous êtes venu me défier! Moi! Vitalis Bénévent! Incroyable! Oui! Bravo, Hugo! On va lui montrer! C'est le sang de mon frère! Vous êtes un usurpateur! Elle a raison, Vitalis! Regardez! Vous ne pouvez pas contrôler la macula! Vous sous-estimez le pouvoir. Qu'est-ce
Oh là! Voilà, ça y est. Hugo ! Amicia, il ne doit pas abuser de son pouvoir. On va vous sortir de là. On s'en occupe. Hugo, tu le sens aussi, n'est-ce pas ? Mais tu en as peur. Le vrai pouvoir. Le don de soi. Je suis l'unité. Je suis le sang des sangs qui relie tous les peuples. Reculez. Restez avec Hugo. Courez. Redevenez un. Oh là, il fait flipper lui, hein. S'abattront sur la vieille chaîne. Revenez à moi. Ne formons plus qu'un. Par mes rats. Revenez. Regroupez-vous. Eh merde! Et mes serviteurs s'élèveront vers le firmament! Soulevez-vous et frappez avec rage! Revenez, mes fidèles! Revenez vers votre maître! Quoi? Oh non, je l'ai pas vu derrière moi! Et là, tu leur mets un coup de front dans la tronche et tu les défonces. Le premier sang dans la certitude. Ouais, rigole pas là, hein. Je crois que je suis paniqué là, non ? Je suis paniqué tout seul là, non ? Ce sol n'est plus revenir. Ne formons plus qu'un. Ne les laissez pas. Tiens, mange-toi ça dans la gueule. Comment oses-tu ? C'est ton dernier affront. J'ai sacrifié ma chair pour devenir le creuset où tout s'unit. Vous ne pouvez pas. Tu fais flipper ce con, hein ? Ce qui a été supprimé
trouveront. Et mes serviteurs s'élèveront vers le firmament. Sortez ! Revenez en renaissant. Soulevez-vous. Éloignez-moi. Et frappez-vous. Revenez, mes fidèles. Revenez vers votre maître. Non, non. Pas mes bras. Revenez. Bon, tu veux pas tomber un peu en force? Toujours aussi laid, même quand tu meurs, il est vilain. Il est... Allez, voilà. On a fini du coup le chapitre 16, il y a un petit chapitre final, chapitre 17. Allez, on y va. Voilà, qu'on découvrira, oui, c'est tout ce qu'avait demandé Lucas. Qu'on découvrira dans une autre vidéo, elle sera pas très très longue. Voilà, c'est juste pour en gros faire la transition entre ce qu'il pourrait y avoir dans le 1. Et t'as du coup, droit, ben, sachant que le 2 est sorti dernièrement, ben, il faut le 2. D'abord qu'on quitte la région. Voilà, ben, du coup, ça sera tout donc, pour cette vidéo. J'espère que le combat contre Vitalis vous aura plu. Franchement, bon, c'est pas en soi très très compliqué. Il faut juste faire attention à ces nuées de rats là. Mais dans l'ensemble, ça va quoi. Je veux dire, vous le touchez trois fois une fois que vous avez le 2 contre 1 là, contre lui à la fin. Et dans l'ensemble, ça va quoi. Les combats sont. Pas très compliqué pour moi, la partie la plus difficile de tout le jeu, c'est vraiment la partie ouais, avec la charrette quoi. C'est vrai que c'est assez compliqué, trois ennemis qui vous viennent dessus, voilà, genre les ennemis un peu comme ça, tout en sachant que vous attaquez avec une fronde, bah, dès que vous le ratez, vous sentez que voilà quoi, que c'est entre vous et la mort sur un dernier coup de lancer de pierre quoi, voilà. Donc c'est vrai que c'était plus la partie la plus chiante du jeu pour moi. Voilà, ben j'espère en tout cas que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben comme d'habitude, likez, abonnez-vous. Et on se retrouve du coup pour la vidéo suivante, à savoir le chapitre 17, donc qui s'intitule « L'un pour l'autre ». Et du coup, à la fin donc, du chapitre 17, je pourrai attaquer enfin, sachant que je n'avais pas encore fait Innocence, hein, mais on pourra attaquer du coup Requiem, à savoir donc le volet numéro 2 des aventures de A Plague Tale. Voilà. Ciao, ciao.